paraît que les pacificateurs voulaient prendre le contrôle de la tour VLC. Ils sont cinglés ou quoi? Un infecté l'a chopé. Si tu veux mon avis, ça lui apprendra à tenter. Ah, tu fais une pause dans les assassinats pour venir me voir? J'essaie juste de t'éviter des ennuis. Ils voulaient quoi, ces tarés? Ils m'ont demandé de grimper sur la tour VNC. Hein? Les enfoirés. Tu sais ce que c'est? Le bâtiment le plus haut de la ville. Mais je peux y arriver. Je déteste ces enfoirés. Rove, Meyer, ils sont fiables. Mais Jack et Juan, ils ont la trahison dans le sang. C'est bon. Jack a dit que les pacificateurs seraient avec moi. Est-ce que Jack t'a parlé des créatures qui vivent là-bas? Je sais que c'est dangereux, Lawan. Mais il faut que je le fasse. Il paraît qu'il y a des trucs là-bas. Des trucs qu'on n'a encore jamais vus. Ou plutôt, dont personne n'est revenu pour en parler. T'as l'air d'avoir peur. Évidemment que j'ai peur, Aiden. Trop mignon. Je savais pas que tu t'en faisais pour moi. Va te faire foutre. Écoute... Il y a quelques années de ça, Frank a voulu faire la même chose. Et ça s'est très mal terminé. Tu me crois pas? Pose-lui la question. Aiden, l'entrée de la station télé est sécurisée. On n'attend plus que Témiche. Aiden, t'es là? Parle à Frank, Aiden. S'il te plaît, fais pas ça. Aiden, réponds. C'est bon, j'irai parler à Frank. Merci, Aiden. C'est la bonne décision. Rove, j'y serai dès que possible. Il y a du nouveau. Mind-toi, Aiden. On t'attend. De la fièvre? Utilise des murs. Frank! T'es vivant, mon pote? Ravik, je t'ai dit de me laisser tranquille, putain. C'est moi, Aiden. Qui? Ah, c'est toi, qu'est-ce que tu veux? Parle-moi de la tour VNC. On était à deux doigts, Aiden. À deux doigts. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais j'avais un plan. Un plan d'enfer. Mais ça s'est fini en bain de sang. Un putain de bain de sang. Frank, comment je peux grimper sur le toit? On y est allé, mais l'équipe était pas au complet. D'enfoiré! Si seulement il m'avait fait confiance. Il en a suffi d'un seul. Et ils sont tous tirés. C'était qui? Judas. Voilà qui. Sans rave. Le passé, c'est le passé. Comme ils disent. Le plus important... c'est que ça a été la fin des traceurs nocturnes. Ok, mais... Comment je peux grimper sur le toit? C'est impossible. Personne peut monter. Maintenant, va te faire foutre. Ça fait plaisir de te voir. Hey, c'est mon ange gardien. Ange gardien? Si tu ne m'avais pas aidé avec les renégats, j'aurais plus de boulot. Ou pire encore. C'est plutôt grâce à Matt. Hey, sois pas modeste. C'est la maison qui invite. Je m'appelle Nicolas. Je dois y aller. Attends. Tu cherches à te faire un peu de fric? Et qu'est-ce que je devrais faire? Rien de bien compliqué.
Il y a une station de métro sous le fichaille. Il y avait des lampes UV dans le métro qui tenaient les infectés éloignés. Mais avec les tunnels et la station infestée, elles ont cessé de fonctionner. Donc tu veux que moi j'aille allumer les lampes ? Ouais, va au local électrique. Pour autant qu'on sache, ça pourrait être un fusible qui a sauté. Si c'est le cas, tu n'as qu'à réinitialiser l'alimentation principale. Avant que tu partes, j'ai un petit truc qui pourra t'aider. Une spécialité de la maison, garantie pour réchauffer le ventre de ces mordeurs. Un peu de miaule artisanale, une bouteille et un vieux chiffon. Un mélange explosif. Mais tu peux aussi te faufiler entre les mordeurs, si tu veux pas faire trop de bruit. De toute façon, ils vont griller dès que t'allumeras les UV. Et comme ça, tu gaspilleras pas une bonne bouteille. D'accord, je vais m'en occuper. Hayden, souviens-toi d'y aller après la tombée de la nuit. Pendant la journée, c'est un petit poste. Ouais, merci. Hayden! Ça fait un moment que t'es là maintenant. T'es quasiment l'un des nôtres. Maintenant, juste ça. Attends. Peut-être pas. Non, c'est bon. C'est plus ou moins bien. Hayden, il y a un truc qui merde. J'ai perdu le contact avec les gars de la sous-station électrique. Qu'est-ce qui se passe ? J'en sais rien, mais il faut remettre le courant. J'ai des gars dans la tour. C'est toi le plus proche. Tu peux aller voir ? Bien sûr, je m'en charge. Oh!
Hayden, l'équipe est toujours dans la tour. Il nous faut du courant tout de suite. Bordel. Le coin grouille de renégats, Rove. Mais je gère. Rove, le problème est réglé. Bien joué, Hayden. Relance la sous-station. Vite. Thank you.
Aiden, faudrait pas te presser, mais... Bouge tes miches et relance-moi cette sous-station. On attend. Pas de problème. Avec plaisir, espèce de taré. Conteneur d'inhibiteur à proximité.
plus qui passe. J'en ai les tripes toutes retournées. Merci pour ton aide, chien de pacificateur. Maintenant, sois gentil et tire-toi. Non, il est temps que toi, tu partes. Sinon... C'est une menace. J'en claque des genoux dans mes bottes coquées. Messieurs, vous pensez qu'il va faire comme ses potes et couiner comme un porc? On va voir ça. Hey Rov, il y a à nouveau du courant. Rov, tu me reçois? Si je te reçois, bordel, ça scintille comme un putain de sapin de Noël ici. Tout le monde va bien? Ouais, les gars progressent dans le bâtiment. La zone sera bientôt sécurisée. Ramène ton cul ici, c'est le moment de grimper. La civilisation n'est rien de plus qu'un concours de circonstances. Je l'ai toujours su. Mm-hmm.